Yo, it's hell on earth down here, the pavement scorching. It's more rock when the mall walks it. Shit get hot like an ill pot of grit spilled on you. Au collège, en quatrième, je faisais du théâtre. Et j'ai une copine aussi qui faisait du théâtre avec moi. Et elle a fait un téléfilm. Donc tout de suite, je me suis dit, moi je voulais travailler, je voulais gagner ma vie tôt. Et quand je voulais faire du théâtre, je me dis, tiens, acteur, ça va être bien. Et cette copine qui a fait un téléfilm, je lui ai dit, c'est quoi ton agent? Elle m'a passé l'adresse de son agence, je suis allé m'inscrire à l'agence, ils m'ont pris. Ils m'ont fait faire un an de casting. Ça n'a jamais marché. Quand t'arrives déjà, t'es pas à l'aise. Ils te mettent moins à l'aise. Ils te disent, bah alors c'est quoi que tu fais là? C'est quoi que tu es en train de jouer? Toi t'es là, bah, je sais pas, hop. Tu ressors, ils te disent on va t'appeler. T'attends ton coup de téléphone toute la semaine, y a rien. Donc ça commence à m'énerver qu'il n'y a rien pendant un an. Donc là, je me suis dit, c'est pas pour moi, tant pis. Et puis là, on m'a repéré dans la rue. Là, par exemple, on a vu plusieurs filles. Et puis, il y en a une, elle est rentrée dedans, quoi. C'est elle qui va faire le film, quoi. Parce que quand elle est, si tu veux, elle donne des émotions qui sont vraies tout le temps, quoi. Elle n'est pas dans le jeu. Mm-hmm. Donc du coup, quand tu la vois, t'as l'impression que c'est la vérité, quoi. Que c'est vrai. Que c'est pas quelqu'un qui est en train de faire... Parce que tu imagines, sur un autiste par exemple, c'est super dur. Si t'as quelqu'un qui fait genre l'autiste et qui n'y croit pas, ton film il est mort. C'était différent de tous les autres castings. Déjà, première rencontre, je devais pleurer. Hop, tu m'as dit pleure. Moi, je savais pas pleurer. Tu m'as dit je pleurerai pas. Je vais pas pleurer, ça fait depuis longtemps que j'ai arrêté de pleurer. Mon grand frère il m'a dit il faut plus que tu pleures depuis longtemps. Et puis en fait, au bout d'une heure et demie, tu m'as fait pleurer. Je vais taper sur un canapé. Je me rappelle plus trop, il y a plein de trucs. Mais d'abord, je me rappelle, je devais taper sur un canapé. Et puis ça a monté. Et puis après, c'est venu. Je sais pas, c'est venu. Après, on a fait une impro, après ça. Mais je suis ressorti, j'étais vidé, quoi. Je suis ressorti du casting, j'ai jamais vécu un casting comme ça. Là, je me suis dit, ok. D'accord, le cinéma. Moi, je me rappelle, c'était quand même Strasbourg pour moi avant de te rencontrer, le cinéma, tout ça. Puis après, c'est clairement en te rencontrant, tu m'as montré c'est quoi vraiment le cinéma. Et puis, voilà, j'ai vu que c'était du travail. Vous voulez que je reste? Non, c'est bon, Jamel, merci. Si vous me séparez, je me tue! Tu te tues? Et après? Donne-moi. Plus rien quand je suis pas là. On se m'aime plus. Elle aurait pu se tuer. Viens, viens,
Après, tout le travail qu'on a fait, en fait, ça a consisté à t'apprendre un peu des fondamentaux, plus pour ton existence propre que pour apprendre à devenir un acteur ou des trucs qui allaient te servir toute ta vie. C'est-à-dire te donner confiance en toi, te permettre de communiquer avec les autres en ayant confiance dans les autres, c'est-à-dire au bout d'un moment de pouvoir échanger en toute confiance. Donc te redonner la confiance que tu avais un peu perdue dans le monde adulte et dans le monde extérieur, on va dire. Travailler sur la concentration, sur l'écoute, etc. Donc on a fait en fait plein de jeux. Déjà avec la respiration, quand on devait faire la fleur, quand on se réveillait, on devait faire une fleur. Ça c'était avec le maître Buteau. Ça c'était avec le maître Buteau. On a marqué ça. Ça c'était bizarre. Il y avait plein de trucs. Attends, voilà. Je me rappelle, il a dit, c'est... Alors, vous êtes une fleur. Vous naissez, vous grandissez, puis vous mourrez. Allez-y. Voilà. Allez-y. Alors, toi, t'es là. C'est... Ok. Vu qu'il y a des choses que je devais jouer qui étaient des trucs que moi-même j'avais connus, j'avais juste à les remettre. Mais du coup, ça me faisait penser à plein de trucs de ma vie. Donc, du coup, c'est un peu aussi. Comment dire. Mais c'est vrai que ça te fait remémorer plein de choses, du coup. C'est dur, hein. Puis en même temps, c'est comme si ça te faisait un travail sur toi-même. Enfin. Après, les choses, elles deviennent moins dures pour toi. Les choses que t'as vécues et tout. Vu que tu t'en sers pour jouer avec, d'un coup, ça devient un autre truc, quoi. C'est une force, quoi, on va dire. Ça te donne un truc. Et pour moi, ça, c'est la naissance de l'acteur. Et c'est pour ça que... C'est ça qui m'a fasciné, si tu veux, c'est de voir cette éclosion. Et comme la fleur du Buteau, tu vois. C'est, voilà, j'ai vu, en effet, une fleur naître, se développer. Et grandir comme ça devant mes yeux, et j'ai eu la chance de pouvoir filmer ça. Ça a été une chance pour moi. Vraiment, de toi et d'Adèle, de ce que vous m'avez donné. Chloé. Reste un peu ici, le temps que tu guérisses. T'as juste fait la piscine pour moi. Et puis sinon, tant pis. On cherchera partout. On finira bien par les trouver. Tu t'impliques tellement à dans la scène que tu dois jouer, t'es tellement en adéquation avec le personnage que tu interprètes à ce moment-là, que d'un coup, il y a une magie qui s'opère. Tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce pour moi. Et comme c'est ça qui, moi, m'intéresse au cinéma, c'est ça que je vais chercher à révéler chez l'acteur. Donc je vais essayer de lui donner la liberté, le plus de liberté possible, pour qu'il puisse justement me donner ces instants de qui sont pour moi le cinéma pur. Tu vois, la vérité. Voilà. Qui d'un coup sont quelque chose qui transcende, tu vois, le cinéma professionnel tel qu'on le voit, ou tu vois, qui montre l'intériorité d'un être humain. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors tu dois te débrouiller toute seule. Toute seule. Je dois manger. Mange. Mange. Je dois manger. Je viendrai te chercher. Je te promets. Je te promets, Chloé. Bientôt, je viendrai. Bientôt. Alors, il faut que tu manges. Mange. Mange. Allez, mange. T'as pas le droit de me laisser. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit.